Il y a la communion fraternelle. Il y a des gens qui disent, on est devenu enfant de Dieu, donc on est devenu le temple du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de communier avec l'église. L'église, ce n'est pas important pour mon cher. Écoutez-moi, je vais vous donner un conseil rapidement avant, et puis je vais fermer la parenthèse. Quand le diable a tenté le Seigneur Jésus et qu'il a dit, possède-toi et adore-moi, le Seigneur Jésus l'a répondu. Si tu es prostitué, tu m'adores, il va te donner tous les royaumes et les gloires. Le Seigneur Jésus a répondu quoi? À Satan. Tu adoreras le Seigneur et tu serviras lui seul. Tu adoreras le Seigneur. Tu adoreras le Seigneur et tu le serviras lui seul. Donc, on fait quoi avec Dieu? On l'adore et on le sert. On l'adore et on le sert. On l'adore et on le sert. Très bien. Deux choses. L'adoration, c'est-à-dire que vous êtes culte en esprit. C'est-à-dire que vous offrez son corps, sa vie, tout ça. Le service, c'est se mettre à son service. Quand tu dis que tu es tellement spirituel, que toi, en toi, Jean 4, verset 24 a dit, l'heure vient, les diables venus, vous les vrais adorateurs adorant en esprit, en vérité, non, mon cher. Moi, les diables, Jésus-Christ dans mon cœur, je suis à la maison, je peux prier tranquillement, j'ai pas besoin. Dieu n'a pas besoin, on n'a pas besoin de se déplacer pour que dans ma chambre, même Dieu est déjà là. Parce qu'ils vont te donner verset. Dans la chambre, Dieu est déjà là. Ok. Adoration à Dieu. Maintenant, il dit que tu le serviras. Le service, c'est se mettre à son service. Ça veut dire quoi? Il y a un talent que Dieu a mis en toi. Ou il y a un témoignage que Dieu a mis en toi. Ce témoignage, quand tu vas dans ce témoignage, ça va bénir quelqu'un. Quand tu restes à la maison, ça ne peut pas le bénir. Regardez ce qui s'est passé. Le serviteur de Dieu, ce frère, il est venu rendre son témoignage ici, un dimanche. La sœur qui est là, on attend le Seigneur pour leur vie. La sœur, voyait tout, elle passait, elle a entendu une partie de son témoignage. Il y a deux églises ici, il y a une église à devant, il y a une église. Quand il est en train de rendre son témoignage avec vigueur, il y a une partie de son témoignage qui l'a bloqué. Amen. Au lieu de partir là-bas, la porte ici était fermée. Elle a lutté pour chercher à entrer. Parce que le témoin est dans la mer bloqué. Imaginez ce qu'il était resté à la maison. Est-ce que vous comprenez? Dieu t'a béni souvent aussi financièrement. Il y a une personne qui a dit de prier, ça ne va pas dans sa vie. Partout, la personne peut-être a besoin également peut-être de 5000 francs ou bien de 2000 francs pour aider une situation. Le monde, il n'y a pas la bonté dans le monde. La personne ne peut pas peut-être aussi aller dans le monde et puis avoir dit, toi tu as Jésus là, il ne peut pas te donner 2000 francs. Donc il s'est dit quoi? Il va aller vers ses frères. Il arrive, toi tu es resté à la maison avec toi tes 100 000 francs. Tu ne peux pas venir réellement être utile à cette personne pour manifester la charité. Écoute-moi, toi tu as un don d'exhortation. Quand tu pars, c'est-à-dire des gens qui sont découragés peuvent réellement passer de la tristesse à la joie. Mais tu as décidé de rester à la maison. Tous ceux réellement qui ont décidé de rester à la maison, ils n'ont pas compris que on n'adore pas Dieu seulement, mais on le sert. Mais ta vie, tes talents, tes dons, tout ce que Dieu a mis en toi là, au service de Dieu. Amen. Mais quand on sert Dieu, ce sont les hommes qui sont autour de nous qu'on sert. Qui a dit amen? Amen. L'instruction par exemple de la communion fraternelle. Tu as dit non que moi je suis tellement spirituel, j'ai ma relation avec Dieu. Ça c'est l'égocentrisme. Tout est centré sur toi. Ce Dieu n'est pas ça. Si tout voulait être centré sur toi, tu avais raison au ciel là-bas. C'est parce qu'il ne voulait pas recevoir son adoration. Puis nous on a pu mourir dans nos péchés. Qu'il a décidé de quitter pour venir se solidariser avec nous et nous sortir de cette situation. Te concentrer sur toi seul. Il y a des gens qui ont besoin de toi. On se complète. On a besoin de compléter nos talents. Amen. Il y a des conseils qu'une seule peut donner à une personne ici que le pasteur ne peut pas donner. Amen. Oui, oui. Amen. Donc si tu restes à la maison, tu ne seras pas utile pour ton prochain. Nous sommes un corps. On a besoin de se compléter les uns les autres. Après, la communion fraternelle, ça bâtit l'église. Amen. Ça construit l'église, ça fortifie l'église.
toi-même, ça te préserve. On dit le diable rôde comme un lion cherchant qui il va dévorer. Pourquoi il rôde? Diable, vous avez déjà regardé la scène géographique. Ouais. Donc vous voyez un troupeau de troupeaux, un troupeau de. Comment on les appelle là? Les buffles, les herbivores, tout ça. Voilà, les antilopes. Vous avez déjà vu un lion qui est fou pour rentrer au milieu de ce troupeau-là. Vous avez déjà vu ça? Moi qui est le roi de la jeune, le roi de la savane, tout ça. Vous avez déjà vu rentrer comme ça? Il risque de prendre également une corne si c'est réussi par ses blessés. Et puis les hyènes vont venir le manger après. C'est pour ça qu'il est venu ne pas se blesser comme ça. C'est pour ça que quand le jour où il y a chaud, même la tête qu'il est blessé, il quitte. Parce qu'il sait que la jungle là, ça ne fait pas cadeau à quelqu'un. S'il est blessé, qu'il y a les chiens sauvages qui sont venus passer, ou bien les hyènes sauvages, s'il est blessé, ils ne vont pas regarder son visage de roi lion. Ou bien roi tigre, ils vont venir le manger. Donc il n'aime pas se blesser dans son combat. Donc, avant de venir prendre la proie, il regarde, il cherche dans le troupeau là. Qui est blessé? Ou bien s'il n'y a pas un bébé? C'est les faibles qui cherchent à prendre. Est-ce que vous comprenez? Yes. Mais quand tu es faible, tu as plus d'espérance de vie quand tu es dans le troupeau. Mais si tu t'éloignes du troupeau, tu es en danger. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dans le péché lorsqu'elles sont éloignées réellement de la communion fraternelle. Parce que dans la communion fraternelle, il y a la présence, il y a la joie, il y a les conseils, il y a l'assistance des anges. Tout ça, c'est important. Je vous assure, vous êtes des personnes qui me protégez aussi. Moi aussi, je vous protège. Amen. On se complète. Oui, oui. Pardon, la communion fraternelle, ça sécurise. Amen. La marche avec Dieu. Ça sécurise. Ne jouez pas avec ça. Vous avez besoin de ça. C'est pour ça qu'on dit, et le Seigneur Jésus ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Acte chapitre 2, verset 47. Alors, ils pensent qu'ils connaissent une Bible. Calmez-vous. Acte chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur Jésus ajoutait à qui? Oui, Seigneur Jésus, tu les as sauvés. Pourquoi tu les as jetés à l'église? Laisse-les à la maison. Parce que le Seigneur Jésus est intelligent. Il sait que son église, c'est un troupeau. On a pu de mettre réellement les gens dans le pâturage. S'il les laisse comme ça dans le monde, il y a un danger pour eux. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est un enfant de Dieu qu'automatiquement il est devenu fils de Dieu. Être enfant de Dieu est une étape. Devenir fils de Dieu est une autre étape. Quand tu nais dans une famille, tu ne nais pas en même temps mature. Tu nais bébé. Tu as besoin des éléments de base pour passer de l'enfance à la maturité. Mais tu dis non, tu es un grand, tu n'as pas besoin réellement des jeunes, tu n'as pas besoin du lait spirituel. Il dit recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quand tu n'as pas besoin de parole de Dieu, tu restes à la maison. Qu'est-ce qui va te bâtir? Ce qui a fait que je me tiens devant vous pour être prédicateur de Dieu, c'est vrai qu'il y a l'appel de Dieu, mais il y a eu tant de formations. Et ce temps de formation a commencé dans l'église devant plusieurs témoins. Quand vous parlez mes prédications, mes réseaux, vous ne voyez pas les commentaires bas. Même des pasteurs, ils sont mes fils dans la foi. Mais je suis passé quelque part, j'ai appris auprès de quelqu'un, on m'a bâti. Alléluia. Amen. Pour que les mauvaises choses qui sont dans ma vie, ça puisse quitter, j'ai appris aussi la parole de Dieu au pied des maîtres. J'ai appris la parole de Dieu dans l'église. Et vous avez besoin de cela. Ne pas me dire non, Seigneur, je ne suis pas convaincu. Il y a des instructions que Dieu a gardées dans la parole. Il ne va pas revenir dessus. Comme les évangélisations. Jésus qui est venu venir descendre encore pour te dire que vous avez reçu le Saint-Esprit, que vous serez mes témoins.